Eh bien bonjour, bonsoir à tous. Alors sur l'Epic Store cette semaine-ci, comme noté, vous avez Bloons TD 6 gratuitement, donc profitez-en pour vite aller le chercher. Alors Bloons TD 6 c'est quoi? C'est un Tower Defense et je lance la partie avec vous et on va commencer la partie ensemble, comme ça vous verrez un petit peu si ce type de jeu vous plaît ou pas, tout simplement. Donc on doit placer un singe à fléchette. Ici, on a de l'argent, donc on va en placer d'autres. Placer un là. Et un ici. Et on lance play. Donc vous voyez, ce sont des ballons qui vont arriver dans un décor assez sympathique. Mes singes, bah, pour l'instant, ils vont pouvoir péter deux ballons. Avec la petite fléchette, elle va traverser la première, arriver à la seconde. On va accélérer le temps. Ah, juste avec espace, c'est top. Pour l'instant, on n'a qu'un seul type de singe que l'on peut faire. Et ce singe, je vais pouvoir l'améliorer. Donc, tir tranchant fait éclater un bloom supplémentaire par tir. Tire 15% plus vite. Le singe a une fléchette de tir plus loin que d'habitude. Allez, on est parti sur du tir tranchant. On le débloque. Allez, on est parti. Donc cette fois-ci, ça va être 3 ballons. Et vous voyez qu'il y a des bleus. Donc les bleus, en fait, c'est un ballon de niveau 2 qui va nous permettre de... d'améliorer encore. Donc ici, on va tirer plus loin que d'habitude. Et après, on va avoir les super singes, les forces méga destructives. Vous allez voir, ça va vraiment être top. Donc hop, on débloque ça. Ah, je peux pas le mettre. C'est quoi ça? Attendez, je vais cliquer là. Celui-ci. Ah ok, c'est un singe qui tire beaucoup plus loin. Et là, je suis bloqué par le décor. Allez, on va le mettre là, on va voir ce que ça donne. On survit jusque là et vous allez voir qu'au fur et à mesure vraiment ce jeu, parce que je vous en parle parce que j'adore ce jeu. Tu as une aptitude activée, elle crée des effets temporaires puissants qui t'aident à gagner, mais choisis soigneusement quand les utiliser. Alors je ne sais pas comment on active. Voilà, on est niveau 2. On débloque le canon. Et regardez tous les singes qui va nous être possible d'avoir avec leurs améliorations à chaque fois. Et le début de l'aventure est vraiment simple, hein. Ce sont les premiers niveaux et on va voir une fois qu'on a terminé les dimanches si il va nous proposer d'autres choses encore. On va mettre un autre type de singe. On va le mettre à longue portée, lui. Et voilà, on a reçu 100$ de singe. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on arrive chez nous. D'accord ? Bon, ça, c'est la mise à jour. Elle est là, et chez nous, on va pouvoir ouvrir le coffre pour avoir de la monnaie de singe. C'est ce qu'on récupère aujourd'hui. Vous avez dit que c'était le premier jour. On a nos singes qui sont là. Et on va pouvoir les développer un petit peu. On va augmenter la portée. On va avoir du militaire, de la magie et du soutien. Aussi, il y a des pouvoirs.
On va prendre la tempête de singe, on va voir ce que ça donne. On relance jouer dans la prairie de singe, en facile, standard. Et on est parti. Le tir tranchant pour lui. Alors je vous rappelle qu'on est dans les premiers niveaux, donc c'est logique que ce soit très simple. Hein. Vient de passer niveau 3. Ça, ça va vraiment être top parce que je vais le mettre ici et vous allez comprendre ce qui va se passer si ça arrive jusque là. Vous voyez, ce sont toutes des petites aiguilles, des petits clous qui sont balancés autour. Donc tout ce qui a passé là, là ou là va être touché par ceci. Donc voilà, pour un petit jeu détente, moi je le trouve franchement chouette. Vous allez pouvoir balancer les boomerangs, vous allez avoir des avions, vous allez avoir plein de choses franchement sympathiques. Allez, on va le mettre là. Alors, cadence de tir ou punaise, plus de punaise, non, on va prendre ceci. Une bombe à fragmentation, bien sûr. Là, on l'a pas encore. Et là, ça va être pour les camoufler, ça va être utilisé par la suite, parce que je sais pas si vous avez vu, la glace, il y a certains ballons qu'on va pas pouvoir exploser. Qu'on ne va pas pouvoir geler. Et ici, il va pouvoir s'attaquer au camouflé, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Ce qui nous aurait fait perdre des points, donc, si on l'avait fait. À un moment, ça va vraiment devenir tactique. Hein. Nouveau niveau, un boomerang. Et ça, je vous en avais parlé, hein, du boomerang. Boomerang qui va vraiment détruire tout ce qu'il y aura sur sa route. Et donc là, je me prépare à la suite, hein. On va pas se mentir. Vous voyez, les ballons, ça commence à devenir de plus en plus coriace. Alors ceci, on peut l'améliorer. Un gel plus large. Et si vous regardez, son skin ne change pas. J'aurais cru.
regonflent des blooms. Ces adorables blooms en forme de cœur régénèrent leurs couches perdues à un intervalle régulier de quelques secondes. Donc il faut les péter les plus vite possible. Hein. Alors ici, cadence plus élevée cette fois. Et plus de punaises. Awesome. Voilà, et c'est deux seulement. Alors, boomerang amélioré. Oui, Bloom lance des boomerangs plus rapidement, peut lancer plus loin. Ben, on va partir sur Oui, Bloom. Les blooms noirs sont petits, mais ils contiennent deux blooms roses. En plus de ça, les blooms noirs sont immunisés contre les explosions. Lance une goutte de colle. Ok. On va les scotcher. On est en vitesse rapide, je vous rassure. Alors, encore plus de punaises. Et le gelé, on peut l'améliorer aussi. Je sais pas pourquoi il était resté sur l'autre. On va partir sur celui-là. Il en a pas assez d'XP, hein. Faut un petit temps pour que ça arrive, j'ai l'impression. Alors les blancs, on peut pas les geler, hein. Awesome. Allez, on va mettre ça. Mais là, le skin a changé. Hein. Bon, j'ai loupé le texte, c'est pas grave. Ouais, que ça commence à devenir chaud, hein. Donc toi, tu peux tirer sur tout, donc je vais te mettre là. C'est les tueurs d'élite, donc c'est de la longue portée. Nice. Gelé. Un gel profond. Alors, les ballons en plomb sont en métal et ne peuvent donc pas être blessés par des objets tranchants. Essaye les bombes. Et c'est là où on a absolument besoin des bombes.
Alors, 4 couches, les balles, les éclats d'obus peuvent éclater, les... Ah bah voilà. C'est ça qu'il me faut. On les améliore. Et une nouvelle fois, on est sur les premiers niveaux, hein, les gars. Là, j'aime bien, je m'en souviens. Alors je dis je m'en souviens parce qu'une nouvelle fois j'ai joué à tous les précédents. Je me souviens, c'était des jeux flash à un certain moment et je trouvais ça juste exceptionnel. Si je me souviens bien, il va créer un 8, voilà, dans cette zone-ci. Je sais pas si vous l'avez eu, ça doit être placé dans l'eau, donc je ne peux pas l'utiliser. Ça, un explosif, c'était juste excellent. Hop, une catapulte. Et voilà, nous avons terminé le premier niveau. Donc on voit tac tac, détective en chef, Commian Bloom, camouflé et ainsi de suite, la victoire. On va revenir à l'accueil, avec l'argent on va pouvoir débloquer d'autres choses. Ici on a des quêtes, découvre les forces et aptitudes de Quincy. Ici, histoire, défi, tutoriel. On va lancer le tutoriel et Quincy a vaincu les booms dans le lit de ruisseau avec un petit coup de main de la part de Patch. Alors, pour rappel, on est vraiment sur un jeu gratuit, donc on peut se faire plaisir en allant le chercher. Et puis, vous voyez comme ça, si ça vous plaît. «
Yeah? Awesome! Voilà, c'est vraiment un tuto pour ce personnage-là. Donc voilà, il nous fait vraiment découvrir ce héros, ce singe particulier. Hein. Mais je peux mettre personne d'autre pour l'aider, le problème il est là. Donc je pense que ce niveau n'est pas possible à réaliser. Come on. Headshot. Oh, come on. Ok, donc il aurait fallu passer par les... Comment ? Les super pouvoirs qui étaient sur le côté, ce que je n'ai pas vu malheureusement. Donc niveau 40, niveau 60, on aura des quêtes qui vont apparaître. On a ici, hop, les monnaies de singe à débloquer. On a vu à quoi ça servait. Hein. Et ici, bon ben, un petit concours. La boutique de trophées. En terminant les Odyssées, il y a un triomphant de boss. Voilà, mais on n'a pas d'Odyssée, on n'a pas de boss pour l'instant. Les héros. On va pas se connecter. Voilà, on peut en acheter d'autres avec l'argent. Héros niveau 14, 21, 28. Et ils sont sympas. Donc vous voyez, vraiment, le jeu est gratuit. Donc faites-vous plaisir, essayez-le. Là, je voulais vraiment montrer à la grosse masse, mais c'est vraiment sympa. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir.